Bon, du coup. C'est mieux le Molotov. Bah ouais, carrément. Ah, surtout là, pour cacher l'épreuve, tu vois. Genre, les vêtements auraient cramé et tout, on aurait pas pu les reconnaître. Bah, t'es parfait, quoi. En vrai, je pense que j'aurais dû juste suivre le chariot, il se serait arrêté un moment pour aller pisser ou une connerie du genre, je monte dedans, je pique les trucs et un truc du genre. Pas que ça à faire. Je m'appelle pas Splinter Cell. Ça, c'est joli les tipis comme ça. Bunny hop. Captain Monroe, I got the medicine. Oh, wonderful. That's great news, Mr. Morgan. Yeah, well, don't worry. It didn't go too bad. Oh, I'll take your word for that. We could both swing for this. Yeah, well, I think I'm a little past caring about hanging, Monroe. Maybe. I just hope Colonel Favors thinks he was robbed by bandits and not... Oh no, I'm still a bandit. There ain't no doubt about that. Oui, là, y a pas de, doute. Well, I better get to work. Thank you, Mr. Morgan. Bandit or not, this was a good thing. Maybe it'll get us both killed, but it had to be done. I hope so. I hope so. Par contre, il y a vraiment un gros point négatif que je peux donner au jeu. C'est de tout le temps me changer mes armes. C'est insane, à chaque fois tu fais un setup et bah non, il change. Trelawney, la quête charge, la quête charge, la quête charge, quête, 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 voilà. Trelawney souhaite vous parler, bon. On va aller faire la quête ici, je sais que vous l'attendez, et c'est aussi la plus proche, donc ça m'arrange. Qui est le fils du chef indien qui veut... Il veut faire la guerre. Putain, on peut pas utiliser d'armes ici, c'est vrai. Du coup, je peux même pas me stuff. Non, mais non. Bon, j'ai mis de la pommade pour cheveux. C'est génial, non? En plus, il la met même à travers son chapeau. Sa chapka d'ours. Non, moi, ce que je voulais, c'était utiliser... Voilà, genre ça. Ah non, mais ça, c'est de la viande, mais pas prête. Pas préparée. Manger du fromage. Mange du fromage. Allez, Arthur. Arthur, si. Mange du fromage. Voilà. Ça, on est fou. Là, il y a un monsieur qui pêche. C'est génial. Attends, qu'est-ce qu'il se raconte? Et le stress, machin. Début d'année, ça... rarement fortement présent. Bah ça dépend hein. DDD. Il me semble que c'est ça. Alors après je sais pas si c'est le cas de Sacha tu vois mais quand t'es... Enfin c'est la première année où t'es un peu tout seul, indépendant, tu vis par tes propres moyens, t'as plus tes parents derrière tu vois. Il y en a c'est une forte source de stress hein. Moi je sais que j'étais bien content. Bonjour, enchanté. Pas forcément, tu vois, pas forcément besoin de partiel ou je ne sais quoi pour que ça soit une source de stress. Mais du coup, Sacha, tiens-nous au courant. Hein. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Mais non, c'est un vieux mendiant, mais qu'est-ce qu'il branle là, lui? Bah non, je peux pas t'aider. C'est chiant, les vieux mendiants qui se baladent. C'est les pires. Il y en a dans les villes, ils sont dans les villes, dans les campagnes. Merde.
Du calme le cheval, du calme. Celui-là je l'ai tué proprement, celui-là je peux le prendre. Ah bah non, deux étoiles. Une étoile. Ah mais non, en fait c'était de base, ils étaient pas à 3 étoiles. Ou peu intéressant. Maurice, non. Alors, on va ranger l'arme déjà. Range l'arme. Range l'arme, j'ai dit. Maurice, on va te caresser en mode calme-toi, tout va bien. Ça va aller, bébé. Assassinat en bande organisée. C'est tellement ça. Tiens, mange un morceau. Une petite galette d'avoine. Ça va te faire plaisir. Mais je préfère tomber sur 3 loups où du coup hypothétiquement j'ai du loot plutôt que tomber sur 3 bandits dont on s'en bat les couilles. Oh non, me dites pas qu'ils sont en haut. Oh, j'ai du courrier qui m'attend. Quelque part. Pourtant je suis pas un stressé de la vie. J'en ai rien à battre d'être seul. Même ça m'arrange un peu, mais pourtant j'ai la nausée. Après, des fois... t'as l'inconscient, tout ça. Toi tu te dis ça, mais ton corps il réagit autrement. Tu vois. So good of you to join us. What's going on? Rebellion. The smell of cordite and integrity. It is a beautiful thing. What are y'all doing? An eye for an eye. We didn't start this, Arthur. They did. We? This ain't our fat. It surely is. Whatever it is, you're planning. It ain't a good idea. Il était pas là, ce câble. They want you to fight. Nobody will be killed. We're just gonna trap a few of them in the valley, disarm them, tar and feather them, and remind them to leave these boys alone. You have energy for pranks? Come on, Arthur. Just tweaking Uncle Sam's nose a little. I need you to help me. L'un qui fait l'impasse sur 3 lettres d'un mot. Besides, de quoi? It's perfect. People will see these boys. They won't notice us, and they'll think we're gone. Everyone will blame everything on the Indian problem, cool. And we'll disappear up the river. But first, we need to trap them in this pass. Help me dynamite up these trees. Salut, Lugo, et salut, Big Mac. No, sir. No, never. But. It is mutually beneficial. Et salut Mario. Eh bien, dis donc. These are good people, but their situation is real complex. We ain't helping them. Sure we are. Come on, let's get this done. Du coup, Achara, si tu peux faire ton travail de modérateur, sachant que j'ai vu deux choses, mais c'est deux choses qu'on sait déjà. Arthur meurt à la fin. Bon, bah ça, on le sait. Et j'ai vu autre chose que je vais pas dire du coup à l'oral pour ceux qui... Voilà, mais un truc très spotted, hein. Voilà. Du coup, je ne lirai pas le chat tant que... Ouais, ok, donc du coup, il faut que j'attends que tout soit clean. Franchement, les gars, vous avez vraiment que ça à faire, quoi. C'est, vous avez une bien triste vie, hein. Putain. On est mardi soir... Il est quoi, il est 23h et vous vous amusez à aller sur des streams pour spoiler des jeux. Franchement, vous faites vraiment pitié. Hein. Et du coup, mais Achara, mais qu'est-ce qu'il fait, Achara, il est pas là. Putain. Est-ce que... Est-ce que quelqu'un peut ping Equinox? Juste pour qu'ils viennent aider. After all those years, hard to believe. Oh, but it was worth the wait. See, we're tying up the loose ends. Il va falloir que je mette des DD modo. Du coup, je suis désolé pour les gens bien, hein, mais je ne peux pas lire le chat actuellement. Ok, let's go, Arthur. Vite. Courons. Mais ce plan, il pue la merde, hein, quand même.
Ça pue sacrément la merde parce que... Bah déjà, faut tout foutre sur le dos des Indiens, je suis moyennement d'accord avec ça, mais... C'est moi qui vais devoir l'activer? Non, c'est Dutch, hein. Ah non, ça sera à moi. Ah, damn. Patrol's a lot larger than we thought it was gonna be. Don't worry. That's a good thing. Okay, that's the signal. Here they come. Du coup, stay low and quiet. DDD ou Sacha, si vous pouvez dropper les pseudos des gens à bannir. No, I got it. Oh, remove the weight of the world from your shoulders for a minute. Merci de t'être déplacé, Kinox. Like I said, we're just going to give them a bit of a scare. There they are. Looks like more than we thought. It's fine. We're only here to talk and administer a little good old-fashioned humiliation. You're owed that, son, at the very least. Wait for my lead, men. Everyone just stay calm. We've got the upper hand here. Okay, they've passed the first charge. Your hands up! You're surrounded! Nobody need get hurt! Your humiliation of us has gone on quite enough. This ain't a good idea! Put down your guns! You are making a mistake, boy! No! You're making a mistake! Put your hands up, soldier! Take a little humiliation and leave these fine folks alone! Who are you? A concerned citizen! Merci, Equinox. What now? We should move. No, not quite yet. Soldier, you and your friends gonna tuck tail and run off? Run! Excuse me? I'm getting bored of this. Your friends fired first, soldier! Ah, putain. Father won't be happy about this. They fired first, son. J'ai rien demandé, hein. T'as tué des gens. Putain, mais... Ça m'emmerde. Ok, ils sont occupés de monter. Mais putain, mais... Perso aveugle. Mais non. Mais qu'est-ce qu'il fait là-haut? There's a lot of them. Ils ont toujours pas tué les ceux qui sont en bas là. Mais... J'ai niqué son chapeau mais il est toujours pas mort. T'es mort. C'est bon. You fools, you damn fools, it's the army. It is one regiment of pastry chefs and bullies. Watch your goddamn mouth. All of you, take what you can, and then we move out. Move now. We have to move now. Search these men quickly, then we move. On dirait moi. This is crazy. Why aren't we getting out of here? They might have information on them that'll help our friends with their. Toujours fouiller les gens. We need anything my father can use to strengthen our case. I ain't sure much is gonna strengthen your case after this. Mais du coup, j'espère que vous avez pas trop, enfin vous avez pas trop fait gaffe à leur message et que vous les, vous êtes pas trop fait spoil. Yes. Some poor fool from New Jersey. These boys ain't the problem. They're only kids. Et du coup, je sais pas si vous avez dit des trucs en cours de route. Mais non mais. Mais... Oh. On me casse les couilles.
Bon, vas-y, je peux faire des explosions. C'est bon. Where's Peyta? Well, they're sending riders from the fort. We need to leave. But where's Peyta? Was he killed? He's alive. Well, that went just about according to plan. I'm trying, Arthur, with everything I have, and I will keep trying, and you'll keep doubting me, and we'll keep failing. It ain't like that, Dutch. Look at me! I'm worried about folk. I know. We should go. Where's Eagle Flash? Run, son! Run! Come on! This area is gonna be crawling with soldiers in a few minutes. We gotta leave. Now! What about Eagle Flash? We gotta go, Arthur. Come on! Allez, go! We need to ride hard. Stay with me. Bon, moi j'ai vu que deux phrases, mais il y en a une, c'est à dire que Arthur meurt, donc bon, a priori. On le savait, hein, la tuberculose à l'époque. Voilà. Et l'autre truc, comme je l'ai dit, hein, c'est un truc dont on. Bah, voilà, on le sent à 1 million de kilomètres, en tout cas moi j'avais deviné donc. Par contre, ouais, ça je m'en tape. Je préfère avoir ça. Voilà. You think? It's all I got. Get out of here. Gah! Let's see if we can lose him down here. You're done for. On lui a dit faut changer les modos. Merde. Fait deux fois que ça arrive et ils ont rien fait. Mais il y a... Si, la dernière fois, Achara, il a fait quelque chose. Mais bon, il est pas aussi réactif que notre Equinox National. Bah, je t'avoue que... Non, c'est bien simple. C'est bien simple. Là, il y a Red Dead, donc oui. Après, ça sera Spyro. Personne ne va spoil du Spyro, tu vois, t'as rien à spoil. J'ai failli tirer dans Dutch. Ça aurait été vraiment dommage. Et putain, je peux tirer. Mais mon perso est ivre. Et ouais, et le prochain gros jeu où je veux pas être spoil, c'est Kingdom Hearts. Et là, c'est sûr et certain que j'aurai un Equinox portatif. Putain, mais il est ivre, mon perso. Comment ça, tout menu? Mais ça parce qu'il respawn en boucle? Ok, il respawn en boucle, j'ai compris. Mais qu'est-ce que tu fais, Dutch? Tu es ivre? Échappez-vous, bah oui, mais moi je t'attendais. Oh là là! La fin de Kingdom Hearts 3, le Titanic coule. Well, Arthur. Put your hands up! I said put your damn hands up! Okay! Okay! Follow my lead. I got a plan. This is a good one. Il est toujours. Hello! Officers! You keep them hands up and come here. Put your hands up. Hello, Captain. Keep your hands up and come here. Come here. We can't do that. Your man.
Those men they killed? They were good men. La fin du jeu, elle est crédible. Captain, get over here. Ask my friend here. My whole life, I tried to fight change. It's a waste. I see that. Now, it's a waste. You can't fight nature, Captain. You can't fight change. You can't fight gravity. Oui. Moi, il a dit de faire comme lui, donc j'ai pas appuyé. Hein. Yes, on fait du rafting. Stylé, non? Ah, mais tourne! Il y a un caillou. Est-ce que c'est pas stylé? Franchement. Du rafting sans raft. Oui! Disons que j'ai déjà des petits problèmes respiratoires, alors en plus là. Du ing, c'est ça. Attends, on a créé le ing, les gars. What a mess! I know. But a mess is what we need. Oh, we just escaped from chaos. Eagle flies must have been taken. Taken or killed. Well, we can't go find out. Je suis professionnel du ing en équipe. Charles, we'll send him. Where is he? He's probably back at camp. Let's split up. I'll go tell him. You rest up. Keep a lookout. We are gonna make it, brother. I can feel it. Faith, Arthur. Have faith. Mais comment dire? Il y a Dutch quand il a fait Charles, il est où Charles? Comme ça, en mode comme s'il allait être sur la berge, alors que non, enfin, t'as bien vu qu'il y avait que toi et Arthur, enfin, aucun sens. Oh! Attendez. Parce que là, j'ai. Des choses. Oh. D'où j'ai. Ça va être long. Je suis désolé, hein, ça va être super long. Hop 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 hop. La cuisine, c'est vraiment le pire truc dans le jeu. C'est long. C'est pas intéressant. Et niveau utilité, on est moyen. Du coup, là, je sais pas si j'aurai une nouvelle quête de la part... enfin, du côté indien. Mais... En tout cas, on sait pas où est passé le fils. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme quête? Je me souviens plus. L'autre quête, ouais, l'autre quête c'était ouais, c'était le riche là. Enfin, le mec en costard qui avait une mission pour nous au camp. Dutch. Je pense mon 50 actuellement moins 793. Mais du coup, c'est là aussi où je suis content de pas afficher le chat sur le stream directement. Parce que par exemple, là, les gens de YouTube, eux, ils sont safe. Il n'y a pas de risque de spoil. Alors que si, comme certains streamers, j'avais mis le chat sur l'écran, bah du coup, pendant X temps, il y aurait eu les spoils à l'écran.
Et à moins de mettre un gros carré noir par-dessus pendant le montage, bah ça aurait été la merde. Bon, je suis un peu content quand même là-dessus. Oh bah c'est bien, il y avait qu'un morceau de viande et là. Venez-en, je sais pas combien il y en a là. Ranger. C'est tout? Ah non, j'en ai encore. Mais c'est trop bizarre. Genre là, je cuisine. Ok, regardez bien à droite de l'écran. Je range le morceau de viande. Je gagne 1 en sang-froid. Pourquoi? Quel est le fuck? Ranger. Mais je sais pas. Je sais pas ce qui passe par la tête des gens qui viennent et qui spoilent comme ça. Dans le sens où je veux dire, il y a plein d'activités possibles dans la vie. Et même si tu sais pas quoi faire, t'as des jeux, tu lances un stream, tu lis un bouquin, je sais pas, t'as plein de choses à faire quoi dans la vie pour t'occuper. Et eux non. Eux, le seul truc qu'ils trouvent à faire, c'est venir sur un stream pour spoil un jeu qui, a priori, ils ne connaissent pas. Parce que s'ils avaient vu où j'en étais dans le jeu, leur premier spoil, bon bah voilà, on le sait quoi. Et du coup, je me dis, mais... Enfin, j'arrive pas à comprendre ces gens-là. Genre... Qu'est-ce qui leur passe par la tête? Parce que du coup, là... On a eu 3 personnes au QI négatif. La dernière fois, on en a eu un autre. Et du coup, ouais, pourquoi? Comment? C'est quelle est la liaison qui se fait pas au niveau du cerveau, quoi. Mais, n'empêche, je pense que ça peut intéresser pas mal de... Easy now. Non, c'est bon. Ça peut intéresser pas mal de scientifiques, je pense, hein, au niveau neurologique. Il y a pas mal de failles là sur ces spécimens. Limite, on aurait plutôt dû demander leurs coordonnées. Dutch, il me rappelle cet ami qu'on a tous, celui qui a un plan foireux pour le week-end, mais que tu suis quand même. Ah, je sais pas, est-ce que j'ai déjà... je connais pas de gens comme ça, moi. Ou pas au point de Dutch en tout cas. Dutch il est hors catégorie. Quoi, une quête ici à Valentine? Sérieusement? Attendez, d'abord je vais aller voir mon courrier. Et payer ma prime. Parce que j'ai une prime de 10$ ici, je ne sais pas pourquoi. Ah, alors que mon portable vibre. Vous avez du courrier? Oui. Bonjour. Je veux payer une prime déjà. Boum. Ensuite, je veux recevoir du courrier. Lettre du bureau du maire. Encore lui. Oh dear. Have you come down with the flu as well, sir? Flu? No. What are you talking about? Alors. Nothing, it's just been going around, that's all. Anyway, how can I help? Bureau de Jean-Marc Mercier, maire de Saint-Denis. Jean-Marc est devenu maire. Jean-Marc est devenu maire. Cher monsieur Kilgore. C'est mon pseudo. Les temps sont durs à l'hôtel de ville suite à la démission du maire Lemieux. Mais les affaires civiques continuent. Le nouveau maire a demandé à ce que vous soyez formellement remercié
pour vos récents services rendus à la ville de Saint-Denis. Je vous prie d'accepter ce cadeau symbolique de la part de nos citoyens, accompagné d'un message personnel du maire. Ce scandale sera vite oublié et nous en sortirons plus fort que jamais. Avec tout mon respect, le bureau du maire de Saint-Denis. Vous, c'est quoi le cadeau? Wesh, c'était quoi le cadeau? J'ai pas fait gaffe. C'était un peu de thunes, je suppose. J'ai cru entendre un décompte de monnaie. Bon, du coup, il y a une quête secondaire sauvage qui est apparue ici. Ramasser 3 champignons. Je ne sais pas. Ouf, 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 ouf. Hey! Mais mec, t'étais à 3 km, calme-toi. C'est bon. Oh, calme-toi. Yeah, what do you want? Do I look like a coward to you? I mean, obviously I do, because I look like that milksop there, but tis no matter. Can you help? Maybe. See? Even he is sick of hearing your nonsense, you afterthought of a child! I apologize, sir, for his smell. Why don't we come back here? To somewhere more conducive to displays of utter gallantry and deep-seated inadequacy. Well, what did you have in mind? Shoot a bottle off my head, like William Tell. This is getting silly. Very silly. The man is a moron. Shoot one off mine instead. I'm the brave one. I'm not scared. I'm a good shot, but... I won't even flinch. I don't want to hurt you, boys. Oh, I can't lose. Either I'll prove my masculinity or die and be spared his company. Come, sir, please. Okay, then. J'y vais au fusil à canoncier. Just make sure everyone knows you asked me to do this. Of course, of course, of course. You boys are ridiculous. Non mais non, mais pauvre, quand j'ai dit fusil à canoncier, c'était pour déconner, Arthur. Hey. Calme-toi. Non mais c'est pas la bonne arme. Je peux pas changer. We're waiting for you, mister. Fire away. Don't think too much about it. Just... You got one. And I barely even flinched. What are you doing? J'ai pété la vitre derrière. That was fun. What was? I feel like we didn't even do anything. Oh, of course you didn't. We all know you're hardly sentient at all. Another round, smaller bottles. Non, sir, non, 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 non. I don't know. Please, non. This creature is unbearable. He needs silence. Les tue pas. Mais oui, mais je veux pas les tuer. Mais j'ai un putain de fusil à canoncier. As long as she witnesses that I'm doing this under duress. Oh, you boys are so silly. Mais non, mais change d'arme, Arthur. Tout ça parce que j'ai le fusil à canon scié en arme principale. Putain, mais. Et l'autre avec sa vitre derrière, je lui défonce son échoppe. Stand on one leg. Me too. You keep shooting, sir, and this time you kill the beast. He emerged fully formed from the swamps, Helen. Silence, you blackguard, sir. Shoot the wretch. Merde. You're deranged. Shoot away, sir. My bottle and his brains, if you please. At least I have brains. Excellent. Fine shooting. Over here, sir. Ah! Aquarius. Oh. Excuse-moi. Mais oui, mais... J'ai pas le choix. C'est de la merde. Pourquoi je peux pas changer d'arme? I'm ready. You're deranged. Shoot away, sir. My bottle and his brains, if you... Lui, il est plus proche. Donc ça va. Mais lui, il est plus loin. J'ai l'impression.
Now do one while I hop. Do one while I turn somersaults. Shoot me. Oh, give me the gun. Let me shoot him. For all mankind. I think me and the lady have had enough. Oh, I don't blame you, sir. This man's tongue, I would run too if I could. Here, for your skills and talents. Thank you. Now, brother, I am going to walk Helen home. Don't follow us. She has an elderly aunt, and I fear the sight of you could finally finish her off. Helen, is this creep bothering you? You two, come along. Oh, no, there aren't two. There's me and the lizard man. Please, my angel, do not aggregate us both together. Boys, you are too much. Why too much? Nope, my sweet. Okay.